una grande possibilità. Ritornando allo scomparso Stevenson, che cosa ne pensi del fatto che a Cuba si considerasse illegale lo sport professionistico? È un'opportunità per lasciare lo sport puro o impedisce allo sport di crescere? C'est encore une question compliquée. Je crois que dans le cas de la boxe, ça a été vraiment quelque chose de bien, parce que quand on voit comment la boxe a dégénéré depuis une trentaine d'années, elle est devenue vraiment le sport business par excellence. Et on a perdu un peu l'essence de la boxe, qui est le respect de l'adversaire, qui est ne pas donner de coups bas. Et respecter les règles et s'imposer par sa seule force, sans qu'il y ait de tricherie ou de paris truqués ou de choses comme ça. Donc dans le cas de la boxe, je crois que c'est plutôt bien. Hai ancora un'altra domanda impegnativa. Credo che nel caso particolare della boxe sia stato un bene. Questo perché la boxe negli ultimi 30 anni è diventata uno sport veramente legato al business, ai soldi, mentre prima la boxe era fatta di rispetto per l'avversario, per evitare insomma di dare colpi bassi, quindi tutto sommato credo sì che per la boxe questo sia stato un bene. E per me ancora più, perché ça me permette de... Contrairement à beaucoup de romans qui parlent de la boxe pour parler en fait de ce qu'il y a